Okay, I can start. Okay, so my slides are in English. If you wish, I can do the presentation in English, but if no position, I think it will be better in French for everybody and me also. Okay, donc je travaille à l'INERIA dans l'équipe Alpage, hein, qui est spécialiste du traitement des langues naturelles. Donc l'équipe s'appelle Alpage, mais en fait elle va bientôt renaître sous un autre nom qui sera Almanac. Donc moi, plus personnellement, je m'intéresse à l'analyse syntaxique, mon domaine de recherche, donc les technologies de l'analyse syntaxique, qu'elles soient symboliques, statistiques ou hybrides, un mélange de symboliques et de statistiques. Et depuis un certain nombre d'années, j'ai développé une grammaire à large couverture du français, donc qui est utilisée pour faire de l'analyse syntaxique. Et donc, vous avez ici un exemple de sortie. Donc, dans le monde de l'analyse syntaxique, il y a deux grands types de représentations. Une dite par constituant, que vous connaissez peut-être, où vous avez des groupes nominaux, des groupes verbaux, des groupes prépositionnels. C'est sûrement peut-être la plus connue. Et une qui est peut-être un petit peu moins connue, qui est la représentation dite par dépendance, hein, où on établit des liens entre les mots. Donc ici, vous avez le fait que « il » est le sujet de « offrir », que « mon travail » est l'objet de « présenter », que devenir est en fait un argument phrastique de type objet de offrir, il m'a offert quoi, devenir, que ce soir est un modifieur temporel, et ici vous avez des petites choses supplémentaires sur le fait que vous avez un traitement de la coordination qui permet de se rendre compte qu'il y a une coordination sur un argument phrastique, devenir et de présenter, et des choses un petit peu plus profondes, donc le fait de savoir que ici le sujet de venir et de présenter, c'est moi. C'est un datif prépargue. Voilà, donc ça, c'est un type de représentation qui est fourni par FRMG, qui s'appelle DepXML. C'est le plus riche des formats. Tout n'est pas représenté ici. Il y a des choses derrière dans le format XML qui ne sont pas visualisables à l'écran facilement. Mais il y a aussi d'autres formats de sortie, Passage, hein, qui est dérivé de Connell, hein, qui est très largement utilisé dans la communauté, et un qui émerge en ce moment, qui est Universal Dependencies. Donc ce soir, je ne vais pas vraiment parler beaucoup de détails d'analyse syntaxique, mais c'est juste pour planter le détail. Maintenant, j'ai un analyseur syntaxique qui est efficace, qui donne bonne qualité, qui a une grande couverture. L'évaluation se fait sur différentes choses, mais en particulier sur un corpus journalistique French Tree Bank, hein, où on obtient un score qui est autour de 88%, qui est à peu près au niveau des parseurs statistiques entraînés sur ce corpus. Hein. Et avec un taux de couverture, c'est-à-dire ici des taux d'analyse complète de phrases, parce qu'on peut aussi avoir des analyses partielles, qui est au-dessus de 97%. Donc là, l'analyse syntaxique, d'une certaine manière, fonctionne, mais on peut se demander, grosso modo, deux choses, c'est à quoi sert un parseur, finalement. Et on fait beaucoup de choses en traitement automatique des langues sans analyse syntaxique, donc il faut toujours un petit peu essayer de justifier l'intérêt d'un analyseur syntaxique. Donc bon, il y a des choses assez évidentes comme l'extraction d'informations. Il y a une petite application qu'on avait développée, que vous pouvez tester si vous voulez, qui était l'extraction de citations à partir de dépêches AFP. On avait fait tourner ça sur des dépêches de la campagne présidentielle 2007. Donc vous pouvez savoir ce que dit un tel sur tel sujet. Aussi donc questions-réponses, éventuellement résumés, ou d'autres choses comme ça. Mais celui qui m'intéresse ce soir et dont je vais parler, c'est l'acquisition de connaissances. Parce qu'on a des problèmes, c'est quand même un goulet d'étranglement d'arriver à obtenir beaucoup de connaissances sur le monde ou sur des domaines spécialisés. Soit on le fait à la main à travers la création d'ontologie, mais c'est quand même un travail important. Soit on essaye d'aller vers des méthodes d'acquisition automatique de connaissances. Et l'intérêt de ça aussi, c'est, par rapport à ma deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer la qualité des analyseurs syntaxiques. Donc il y a pas mal de pistes, mais l'une d'entre elles, c'est d'être capable d'introduire, en particulier la phase de désambiguïsation d'analyse syntaxique, de la connaissance sur le monde. Par exemple, si vous avez quelque chose comme tremblement de terre de forte magnitude, du point de vue de l'analyse syntaxique, de forte magnitude, vous pourriez l'attacher sur terre ou sur tremblement. Le moyen de savoir quel est le bon choix, c'est grosso modo de savoir que tremblement de terre, c'est un concept, c'est un terme qui existe et qu'il vaut mieux attacher magnitude sur l'ensemble tremblement de terre. D'accord. Et donc là, on voit se dessiner un cercle vertueux qui m'intéresse beaucoup entre langage et connaissance. C'est-à-dire que le langage permet d'obtenir de la connaissance sur le monde. Cette connaissance du monde permet un meilleur traitement du langage. Bon, c'est quelque chose qui est quand même assez bien connu, mais qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc, vers les années 2010, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Scribo, on a testé différentes choses. Donc, l'extraction de terminologie, dont je ne vais pas parler, mais qui permet d'obtenir des choses comme donc des listes de termes, comme garde à vue ou un plan chirurgical non actif.
de construire des réseaux sémantiques, plus ou moins sémantiques, de faire du regroupement de mots, donc c'est plutôt de ça que je vais parler, d'aller encore plus loin vers l'extraction de relations ontologiques, de savoir que Destroyer et Aviso font partie de la classe des navires de guerre. Et puis, donc ça c'est plutôt au niveau des concepts, mais après on avait envie d'aller aussi du côté des événements, la notion d'événement qui est plutôt représentée par des verbes, donc de faire par exemple du regroupement de verbes qui dénotent à peu près le même type d'événement, du genre des verbes de transfert, donner, offrir, céder, des verbes de communication comme annoncer, indiquer, affirmer. Aussi le fait qu'un verbe peut des fois être représenté par un équivalent nominal, c'est important de pouvoir faire le lien, de passer de l'un à l'autre. Et puis aussi de détecter des relations qui pourraient exister entre des entités nommées, par exemple le fait qu'une personne appartient à une certaine organisation. Alors, je vais parler un peu d'une méthodologie sur l'acquisition de connaissances. La première étape, c'est de récupérer des sources de connaissances. Et là, les sources de connaissances avec des corpus que l'on va analyser, ici d'un point de vue syntaxique. Donc voilà à peu près le genre de corpus que j'utilise, Wikipédia, des textes littéraires avec Wikisource, du journalistique avec l'Est républicain, des choses européennes, JRC qui n'est pas forcément très intéressant, Europarl qui est plus intéressant, le débat parlementaire, beaucoup de news de l'AFP. Mais je travaille aussi en coopération avec des éditeurs juridiques, par exemple, sur des corpus juridiques, fiscal, social, civil, affaires, il y en a plein d'autres encore. Et aussi d'autres types de corpus, du botanique, des flores, on a fait à un moment donné, du corpus médicaux, des corpus d'entretien automobile, des histoires de voyage du 19e siècle. Bon, donc il peut y avoir toutes sortes de choses, de plus ou moins grande taille. Et voilà, donc ça va être notre source de connaissances. Et maintenant, c'est intéressant de savoir comment est-ce que nous, humains, d'une certaine manière, on acquiert on comprend le sens d'un mot. Et bon, la plupart des mots, on les connaît depuis si longtemps qu'on ne voit pas trop d'où ils viennent, mais si on se place dans un contexte un petit peu plus nouveau, ou avec des mots qui n'existent pas ou qu'on ne connaît pas, mais dont on a le contexte, on va se faire un petit peu une opinion de quel est le sens du mot. Donc sur le Jabberwocky, c'est assez net. Si je vous donne aussi ces quelques exemples, là ici, Paul s'est cassé la Binti, sa fracture à la Binti a été correctement réduite, il a des douleurs dans la Binti. Vous avez à peu près une bonne idée de ce que peut être Binti. D'accord ? En fait, c'est jambes en tagalog. Hein. Donc je pense que vous n'étiez pas trop trompé, peut-être vous pouviez hésiter, mais savoir que c'était une partie du corps, ça, il n'y avait guère de doute. D'accord. Donc le contexte, grosso modo, vous a guidé vers le sens. Et cette idée-là est exploitée par l'hypothèse distributionnelle de Harris, qui dit que finalement le sens des mots est largement déterminé par leur motif distributionnel, ce qui veut dire en fait, si on le dit autrement, que vous connaissez un mot par, grosso modo, ses voisins. D'accord. Et donc, ça a donné lieu à une certaine méthodologie pour pouvoir extraire du sens à partir des occurrences des mots. C'est qu'à chaque mot, on va associer un vecteur pondéré de contexte. Ces contextes peuvent être à peu près n'importe quoi. Ça peut être les mots qui sont autour ou ça peut être des contextes syntaxiques. Ça va être le cas ici. Et puis, on va utiliser ces contextes pour mesurer des similarités entre paires de mots. Et à partir de ces similarités, on va essayer d'obtenir des regroupements, d'organiser ces ensembles de mots, donc de faire du clustering. Donc il y a pas mal, il y a beaucoup même de variantes et de possibilités autour de ces idées-là. Souvent, ça donne lieu à des algorithmes qui sont un petit peu boîte noire, où il n'y a pas trop d'explications. Donc bon, à un moment donné, j'ai voulu explorer un peu d'autres pistes. Donc, étape zéro, on va dire, c'était avoir des sources d'informations et les analyser syntaxiquement, ce qui est quand même déjà un gros boulot, mais enfin pour moi, c'est la première étape. Hein. Et ensuite, on passe aux étapes suivantes. L'autre étape, finalement, c'est de collecter et de compter un certain nombre de motifs, ici de dépendances, dans les résultats d'analyse. Donc là, on va compter, par exemple, un certain nombre de choses autour de chaises. Donc, on a 235 occurrences de chaises coordonnées avec table, 227 occurrences de s'asseoir sur une chaise. Et puis, on a des choses comme chaise longue, chaise de poste, tomber sur une chaise, chaise musicale, s'asseoir sur une chaise, prendre une chaise, chaise électrique. Chaise vide, politique de la chaise vide, chaise d'apporteur, dossier de chaise et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'utilisations un peu habituelles de chaises et puis beaucoup finalement de termes construits autour de chaises. Alors plutôt que de prendre ces dépendances de manière brutale, on fait un petit peu d'abstraction dessus, du genre les passifs sont rectifiés parce qu'on sait que finalement l'agent profond du verbe, c'est le par quelque chose. Et le sujet de surface du passif, c'est l'objet, ainsi de suite.
Donc, je ne vais pas forcément toutes les lister, mais donc grosso modo, on essaye quand même de faire un certain nombre d'abstractions pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit un petit peu plus sémantique pour l'apprentissage. Donc, je veux dire, on avait ces triplés du genre s'asseoir sur une chaise, to sit on chair, et à partir de ça, finalement, on a un contexte, s'asseoir sur quelque chose, et là, ça peut être rempli par chaise, ou alors, dans l'autre sens, on a un autre contexte qui est faire quelque chose sur une chaise. Et là, ce qui peut remplir le quelque chose, c'est s'asseoir. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec une chaise. Donc, ça nous donne un certain nombre de contextes d'un côté et un certain nombre de mots de l'autre. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de formes de contexte. 4 millions de contextes différents, 5 millions sur l'ensemble. Beaucoup, beaucoup de formes. Ça, c'est en particulier dû aux entités nommées. Il y a 1 300 000 formes à peu près. Ensuite, l'étape suivante, c'est donc utiliser cet algorithme qui va essayer d'organiser l'ensemble des mots, de regrouper. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est quelque chose qui est inspiré d'un algorithme qui s'appelle Markov Clustering. Et c'est un algorithme qui travaille sur des graphes. Et l'idée ici, c'est que dans ces graphes, on va grosso modo faire émerger les zones où il y a une forte densité de chemins courts. D'accord, donc c'est ce qui est à peu près illustré ici. Ici, vous avez un graphe avec plein de connexions de différentes intensités. Et progressivement, ce qui se fait, c'est qu'on renforce les zones où il y avait pas mal de connexions à l'origine et assez courtes. Donc, ça devient de plus en plus rouge. Les autres s'affaiblissent un peu progressivement. Et on continue le processus. Et à la fin, donc, on obtient des choses qui ressemblent un petit peu à des clusters. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que j'applique ces idées-là, mais sur des graphes qui sont dits bipartites, c'est-à-dire que c'est des graphes qui relient les mots, un mot à un contexte. Et ce que je vais essayer de calculer, donc il y a une certaine pondération entre un mot et son contexte dans les deux sens, c'est pas forcément symétrique. Et ce qu'on va essayer de trouver, c'est finalement l'affinité ou la similarité entre deux mots en suivant des chemins qui vont passer alternativement par mot, contexte, un autre mot, un contexte, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à l'autre mot qui nous intéresse. Voilà. Il y a une formule mathématique qui permet de gérer ça. Essentiellement, c'est un mécanisme d'inflation qui pousse vers le haut les choses qui sont les coefficients qui sont relativement forts et qui pousse vers le bas les coefficients qui sont plus faibles, surtout qu'il y a une renormalisation qui renforce cet effet-là. On peut exprimer ce genre d'algorithme sous une forme matricielle. Bon, ça, c'est pour faire une mise en œuvre éventuellement plus facile de nos jours. Et à partir de cette base-là, on peut faire pas mal de choses. On peut rajouter pas mal d'extensions, par exemple rajouter des mécanismes de bonus-malus, de dire qu'on veut favoriser certains rapprochements, on veut pénaliser certains autres rapprochements. Par exemple, favoriser certains rapprochements, c'est quand les mots sont assez proches en termes de distance d'édition, par exemple. On se rend compte que finalement, très souvent, ils sont assez proches aussi d'un point de vue sémantique. On peut aussi s'amuser à faire des transferts d'informations de similarité, que si deux mots sont proches sémantiquement, il y a de bonnes chances que les contextes qu'on construit à partir de ces mots sont aussi proches sémantiquement et réciproquement. Donc, si vous avez chaise qui est proche de tabouret, on peut s'imaginer que faire quelque chose sur une chaise, c'est à peu près similaire à faire quelque chose sur un tabouret. D'accord ? Donc, on fait tourner l'algorithme et on obtient un certain nombre d'informations, par exemple, sur quels sont les voisins possibles pour une chaise et quel est finalement le rôle d'une chaise. Et donc, on voit ici que ce qui rapproche chaise et divan, par exemple, c'est s'asseoir sur une chaise ou sur un divan, s'asseoir sur une chaise ou un tabouret, s'asseoir sur une banquette ou un divan, s'allonger sur une chaise et un divan. Alors, c'est un peu moins fort, mais ça existe quand même. Par contre, c'est plus fort sur s'allonger sur une banquette et un divan. Donc, on a des explications sur pourquoi ces mots sont proches et on peut même en fait retrouver les exemples si on veut ensuite. D'accord. Donc voilà quelques exemples à gros grains de visualisation qui ont été faits avec un logiciel qui s'appelle Tulip. Donc c'est un graphe qui a 40 000 connexions, donc c'est quand même assez gros. Donc ça, c'est seulement des petits fragments que l'on voit ici. Donc vous en avez un qui en fait, c'est des compositeurs, Schubert, Mozart, Brahms d'un côté. Ici, c'est les parties du corps humain, donc jambes, clavicules, crâne, mâchoire, fémur. Il y a d'autres exemples qui sont disponibles à cette adresse si ça vous intéresse. Donc, ça c'est bien, c'est une vue à large spectre, à gros grain. Ça ne nous permet pas quand même de rentrer dans le détail. Donc, progressivement, on a développé une interface de visualisation et de navigation dans ce graphe, dans ce genre de graphe, qui permet aussi de faire de la validation. Et ça passe par donc une interface collaborative web,
qui est accessible ici. Si vous avez besoin d'informations, je peux vous en donner après, parce que ce n'est pas forcément évident de se promener dans cette interface, où je pourrais faire une petite démo. Et donc, cette interface a été développée dans le cadre d'une collaboration avec la startup Lingua et Machina. Donc là, sur cet exemple, par exemple, vous avez ici une liste de termes, président du conseil, avec différents variants sur président du conseil, comme présidente du conseil. Ici, vous avez siège social. Bon, ici, donc, on a un bout de graphe qui est centré sur président du conseil. Donc, on a ses voisins ici en bleu foncé de premier rang, comme administrateur, directeur, gérant, vice-président, président du directoire. Et puis, vous avez les voisins, une partie, enfin, vous avez les voisins de deuxième ordre, comme administrateur judiciaire, liquidateur, membre du conseil. Donc, on ne va pas plus loin ici que le deuxième ordre, c'est vraiment une vue locale. Mais si vous cliquez sur, par exemple, sur ce nœud-là, vous allez vous déplacer et voir maintenant ce qui est centré sur administrateur judiciaire. Et ici, la taille de ces nœuds indique grosso modo le nombre de connexions qui sont liées à ce nœud-là. Donc, ça vous donne une indication de peut-être vers là où vous voulez vous diriger. D'accord? Alors, que ce soit la vue à large spectre ou cette vue un petit peu plus locale, on repère assez vite qu'il y a un peu quelques grands types de structures topologiques. En particulier, on voit qu'on a des espèces de buissons qui sont fortement connectés. Buissons, c'est-à-dire que tous les mots sont interconnectés les uns aux autres, hein, très fortement. Donc, en fait, ce qu'on a là, c'est finalement des classes, vraiment des classes au sens où on les entendrait, comme les synsets de WordNet. Mais on a aussi des choses où finalement, c'est des filaments qui s'étirent. Et donc là, on peut plutôt se dire qu'on est dans le domaine des glissements de sens. On est en train de progressivement basculer d'un sens vers un autre. D'accord? Et puis, on a des structures en étoile où on a un nœud qui est lié à plein d'autres choses, mais ces nœuds eux-mêmes ne sont pas liés entre eux. Là, c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. Et souvent, ce n'est pas très pertinent. D'accord? Oui. Ouais. OK. Donc là, vous avez un exemple entre char et chariot d'un côté et char et tank du domaine militaire de l'autre. OK, donc voilà ce qu'on peut faire par exemple avec les buissons, c'est-à-dire qu'on peut extraire finalement des classes. Ici, vous avez une classe de chiens, une classe de groupe militaire, une classe de maladies. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez une classe des mois, octobre, novembre et ainsi de suite. L'étape 4, c'est qu'on peut vouloir donc injecter et raisonner à partir des connaissances qui sont extraites. Donc ça, c'est un exemple qui est un peu, pas forcément super bien, mais qui a l'avantage de marcher. C'est que pour faire la désambiguation d'une manche, une tartelette maison à la quetch, ou finalement à la quetch, ça pourrait être attaché sur maison, sur tartelette ou manger. On a un raisonnement qui arrive à être fait en utilisant la similarité et les contextes les plus pertinents pour trancher. C'est-à-dire qu'ici, tartelette est assez proche de tarte dans le réseau, quetch est assez proche de fruit dans le réseau. Eau fruit est un contexte fréquent pour tarte. Donc finalement, tartelette à la quetch est quelque chose qui paraît raisonnable. OK? Et ça, c'est pour montrer des évaluations qui ont été faites sur Corpus, qui montrent que si ici en rouge, on injecte de la connaissance acquise sur Corpus, on a une amélioration systématique des performances. D'accord. Alors, ça, c'était une méthode un peu traditionnelle. Une approche un petit peu plus récente, c'est de basculer sur des word embeddings. Donc, ça aurait pu être Word to Vec. Finalement, moi, je me suis intéressé à un autre algorithme qui s'appelle Glove. Et que j'ai étendu donc DepGlove pour pouvoir fonctionner sur des dépendances. Donc, au lieu d'avoir juste des proximités de mots dans la phrase, on utilise les dépendances. Donc, la formule de base, c'est une minimisation d'une fonction d'objectif pour calculer les vecteurs de mots WI. Ce qui a été fait ici, c'est que c'est étendu pour utiliser des dépendances syntaxiques de type sujet, objet, et ainsi de suite. Et à toutes ces dépendances, on associe des matrices MR, en plus des vecteurs. Et donc, on va chercher à la fois les vecteurs WI et les matrices MR en essayant de minimiser cette fonction d'objectif J ici. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Et ce qui a été fait, c'est d'étendre aussi DepGlove pour fonctionner non seulement sur les dépendances, mais aussi sur des chemins syntaxiques plus longs, du genre qui permettent de mettre en relation un sujet, un verbe et un objet, du genre le chat mange une souris. Et puis aussi d'aller dans des cas un petit peu plus compliqués d'un grand-père à un petit-fils. D'accord? Et donc, si on fait les évaluations en utilisant des tests de type TOEFL, c'est-à-dire qu'on prend des synsets de WordNet avec des mots qui sont proches sémantiquement, on en prend un comme le représentant, ici toutefois, on en prend le deuxième néanmoins dans le même synset hein, comme étant celui qu'on voudrait retrouver, et puis on prend des leurres quelque part ailleurs, donc ici complètement, progressivement, sensiblement. Et le but du jeu, c'est de trouver bah, le bon représentant dans cette classe de quatre mots, néanmoins complètement, progressivement, par rapport à toutefois. Donc pareil pour exploit, avec prouesse, offset, pli et bit.
Bon, je ne vais pas rentrer dans l'état ici, mais donc les évaluations ne peuvent pas être faites exactement de la même manière pour les deux algorithmes, puisque l'un, on a une représentation par graphe et l'autre, on a des vecteurs, donc ce n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on arrive quand même à faire une certaine évaluation. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les représentations vectorielles de type Tableau vont de bien meilleurs résultats que Markov clustering, mais c'est en fait dû beaucoup au fait qu'on a beaucoup plus de couverture avec les word embeddings qu'avec les méthodes par graphe où on a très souvent on n'a pas de connexion entre les mots dans le graphe, donc là on est obligé de répondre au hasard, donc c'est mauvais. Mais par contre, si on regarde un petit peu précisément, cette fois-ci en termes de précision et pour les noms, on se rend compte que Markov clustering obtient une très très bonne précision, c'est-à-dire que quand il est capable de répondre, il répond bon dans 94% des cas. Alors que pour Deep Glove, on est à 77 dans la meilleure des situations possibles. Et pour conclure, juste pour vous indiquer que vous pouvez jouer avec FRMG en ligne à travers un wiki linguistique, hein, où vous pouvez aussi voir un peu les représentations des phénomènes syntaxiques. Vous pouvez accéder à un service de traitement de petits corpus. Vous avez les liens vers donc ce que j'ai présenté aujourd'hui, la Libellex et Word Vectors. Et on peut aussi récupérer un certain nombre de corpus qui ont déjà été parsés, donc dans ceux dont j'ai parlé, donc par exemple Wikipédia ou Wikisource. Et vous pouvez aussi récupérer à travers le lien de DeepGlove les Word Embeddings dont j'ai parlé. Voilà. Désolé si j'étais un peu plus long. Ah oui, il y avait un slide de plus, voilà. Crois que la boîte doit passer au fond. Bien joué. Oh, merci de votre présentation. Je voulais savoir en quoi votre mécanisme est lié au français et en quoi il ne pourrait pas s'appliquer à l'anglais, l'espagnol ou autre chose. Oui, alors, l'analyseur syntaxique, enfin plutôt la grammaire FRMG, la grammaire en tant que telle, elle, c'est une grammaire du français. Ça, on est bien d'accord. Ensuite, tout le reste est indépendant du français. En fait, donc cette société dont j'ai parlé, la Lingua et Machina, on refait des choses un peu similaires sur l'espagnol en utilisant d'autres ressources linguistiques que les miennes, mais donc en récupérant les mêmes idées du point de vue algorithmique. Ils ont recodé des choses pour être par rapport au type de langage qu'ils utilisaient, type de logiciel qu'ils utilisaient. Ils se sont utilisés plus base de données relationnelles. Je ne suis pas trop base de données relationnelles, voilà, par exemple. Bonjour. En fait, j'ai une question sur le corpus. Ouais. Ce que je comprends bien, vous passez sur l'approche statistique, vous racontez la fréquence de structure linguistique. Oui, la fréquence de certains contextes, enfin certains triplés enfin certaines dépendances syntaxiques, genre que quelque part dans les phrases, on a 227 occurrences de asseoir sur une chaise. Ouais. Ok. Ma question, c'est est-ce que il faut des corpus assez riches pour avoir tous les exemplaires? Parce que j'ai l'impression que s'il y a des structures rares, Oui. comment ça finalement le résultat, ce sera quoi Oui. Bon, le langage a des propriétés de distribution assez particulières. On a des what if, donc on a un certain nombre de choses qui seront celles qui sont les plus intéressantes, je pense, pour la majorité d'entre nous, qui sont très fréquentes. Donc ça, on va les acquérir assez facilement. Et bien entendu, tout ce qui est dans la traîne, là, il faut sérieusement augmenter le volume de données. Alors ici, c'est pour ça que j'ai un peu parlé, c'est qu'on a deux types de corpus. On a d'un côté des corpus, disons, généraux, où là, pour apprendre des choses, on a intérêt, je pense, à avoir plus de données, plus de volume, parce qu'on a une beaucoup plus grande dispersion. Et puis ici, on a des corpus spécialisés. Bon, là, ceux-là sont encore assez gros, mais en fait, par exemple, botanique, c'est 1 million de mots, donc c'est assez petit. Et on arrive à apprendre des choses très intéressantes déjà, parce que ce sont des corpus plus spécialisés, donc il y a beaucoup moins de dispersion des concepts, de l'utilisation de ces concepts, des structures qui sont utilisées. Donc on peut tout à fait utiliser ce genre de technique à plus ou moins grande échelle, et on obtient des choses intéressantes. Et le fait d'utiliser de l'analyse syntaxique, ça donne une plus grande richesse d'un côté, parce qu'on a effectivement plus de types de structures. D'un autre côté, c'est des structures qui sont beaucoup plus ciblées. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est en train de parler de l'objet d'un certain verbe.
si on compare ça à des approches, disons sac de mots, où c'est juste le fait qu'un mot est proche d'un autre mot dans la phrase, d'une certaine manière, il y a beaucoup plus de bruit. Donc là, on a réduit le volume de bruit, quelque part. Donc en ayant réduit le volume de bruit, ça réduit aussi normalement le volume de données dont on a besoin. Tout ça, c'est un peu plus à vérifier. Il y a pas mal d'expériences supplémentaires qu'il faudrait faire, mais grosso modo, voilà un peu l'idée. Et est-ce que vous avez essayé le mélange de corpus, c'est-à-dire la générale avec le corpus précis? Alors ici, j'ai tendance à utiliser tout cela ensemble, par exemple. Ouais. C'est ce que j'appelle all. Ouais. Des fois, j'utilise les premiers, je les appelle corpus passage long pour des raisons historiques. Des fois, je fais des choses seulement sur Wikipédia, qui donne des choses très intéressantes, ou seulement sur AFP, qui donne aussi des choses très intéressantes. Je n'ai jamais vraiment essayé de mélanger les corpus spécialisés avec ces corpus-là, mais bon, on pourrait voir. Mais je crains que ça perturberait quand même ce qu'on veut, parce qu'ici, on veut quand même, en général, apprendre des choses pour ce domaine, et on risque de polluer en introduisant des choses qui viennent d'ici. Mais là encore, peut-être que ça pourrait valoir le coup de faire une expérience. D'accord, merci. Alors. Allô. Oui, bonjour, merci pour cette magnifique présentation. Moi, j'avais deux questions. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez comparé ça avec un réseau de neurones? Non, pas encore. Je suis en train d'aller dans cette direction-là. Ouais. Ma première marche a été de passer par Glove, qui n'était pas un réseau de neurones. La deuxième étape sera de se plonger vraiment à fond dans l'utilisation des réseaux de neurones. Parce que bon, je lis la littérature sur les réseaux de neurones depuis maintenant quelques années. Je commence à bien voir ce qui est faisable, ce qu'on pourrait essayer. Maintenant, il faut mettre en place toute l'infrastructure pour jouer avec. Voilà. Du coup, vous attendez à des augmentations, enfin vous attendez à quoi comme résultat a priori par rapport à un réseau de neurones? Là, je ne suis pas certain qu'on ait des gains. Je ne suis pas certain qu'on ait des gains exceptionnels en passant grosso modo à Word2Vec à la place de Glove, parce que c'était à peu près, les papiers qui étaient présentés, c'était à peu près les mêmes niveaux de performance. Maintenant, s'il y a une de ces techniques qui montre qu'elle a vraiment un intérêt, le fait de basculer grosso modo de sacs de mots à des structures syntaxiques devrait me donner le même type de gain que l'on observait sur les sacs de mots. Enfin, c'est ce qu'on peut espérer. Il n'y a pas de raison que ça se comporte vraiment différemment. Peut-être la différence ici, c'est que comme on a une plus grande diversité de contextes, c'est-à-dire qu'on a en fait beaucoup de matrices MR ici, pour les réseaux de neurones, on aurait sûrement quelque chose d'un petit peu équivalent, c'est-à-dire qu'il y aurait aussi beaucoup plus de variabilité à ce niveau-là. Peut-être que ça gênerait l'entraînement du réseau de neurones, mais c'est à voir. Ici, ce que j'avais essayé de faire pour essayer de diviser un petit peu ça, c'était de passer à des tenseurs, par exemple. Mais Python n'a pas suivi. Alors, je suis resté sur mes matrices. Hein. Mais bon, après, il faut essayer avec des réseaux de neurones. Ça sera effectivement dans les expériences qui vont venir d'ici quelques temps. Mais comme Piotr va parler d'algorithmes pour des représentations, donc Word Embeddings, je vais voir si ça ne peut pas servir. Bonsoir. J'ai vu dans votre bio que vous aviez utilisé Prolog. Oui. Sur certains travaux. Ou des C'est plus. C'est, est-ce que c'est toujours c'est... utile aujourd'hui? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous faire plaisir parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma thèse en programmation logique et pendant cette thèse, j'ai développé un évaluateur Prolog, un système Prolog qui s'appelle Dialog. Et c'est toujours ce système Dialog que j'utilise derrière tout ce que je fais. C'est-à-dire que le parseur, c'est un parseur Prolog. Enfin, c'est le mien, mais c'est mon système Prolog. Et donc, je programme en Prolog. La métagrammaire est écrite dans un format que j'ai développé de métagrammaire. Mais en fait, derrière, il y a toute une phase de compilation, de génération de la métagrammaire, qui est un système de résolution de contraintes. C'est aussi écrit avec Dialog. J'ai fait aussi un parseur statistique qui s'appelle Dialog SR. Donc, comme son nom l'indique, il est construit au-dessus de Dialog. Donc, c'est un parseur statistique, on va dire, en Prolog. Sauf qu'il est couplé à un perceptron derrière. Mais on arrive à faire du Prolog efficace, grosso modo. Et il n'y a plus grand monde. Hein. Il doit rester moi.
qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, je pense que quand même à terme ça pourrait avoir un intérêt parce que quand même l'intérêt pour les années à venir, c'est que ces systèmes de programmation logique quelque part amènent une facilité pour faire du raisonnement. Et quand on va évoluer vers des choses plus sémantiques, ben là on va se rendre compte que peut-être c'est intéressant de pouvoir faire du raisonnement. Alors surtout que maintenant il existe des couplages grosso modo de programmation logique probabiliste, logiques de Markov, hein, où on a à la fois vraiment du raisonnement logique, de l'apprentissage, du décodage, enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire en statistique, mais avec des faits, des axiomes logiques, des règles de raisonnement logique et ainsi de suite. Donc ça j'ai pas fait, mais on sent qu'on pourrait faire des choses vraiment bien avec ça. Ouais. Faut que la boîte arrive. Ah là, ça va être compliqué. Faut faire un relais. Merci. Est-ce qu'il y a une dimension prédictive dans l'algorithme que vous avez adapté de Markov? Est-ce que vous considérez que ça relève des techniques d'apprentissage? Et troisième question, comment vous intégrez la connaissance sur le monde dans cet algorithme ou ces techniques? Alors, je ne sais pas trop ce que vous dites par prédictif. Maintenant, sur le fait qu'on peut jouer avec l'algorithme, c'est effectivement tout ce qui est mentionné ici sur bonus-malus, par exemple. Donc, par exemple, dans le bonus-malus, une des choses qu'on peut faire, c'est injecter l'information qui vient d'un WordNet existant, où on sait déjà qu'il y a des similarités entre mots. Et donc, ça, c'est un bonus qu'on peut rajouter d'office dans l'algorithme, qui va faciliter le fait de rapprocher certains mots, parce qu'on sait, d'une certaine manière, on sait déjà qu'a priori, ils devraient être proches. Donc voilà, ou au contraire, on peut mettre un malus en disant, bon, voilà, pour différentes raisons, on sait qu'il ne devrait pas y avoir de relation entre ces mots, ben on injecte un malus et il sera exploité par l'algorithme. Donc ce genre de formulation ici est assez riche pour faire ce genre de choses. Maintenant, prédictif, je ne sais pas. Et donc, vis-à-vis de corpus complètement différents, pouvoir aussi reconnaître des formes à partir de ce qui a été acquis. Oui. Antérieurement. Oui, ça, je pense que je vois ce que vous pouvez me dire. Le fait de faire ces rapprochements de mots parce qu'ils apparaissent dans les mêmes contextes, ce qu'on peut se rendre compte que c'est si on tombe sur un mot inconnu, finalement, il peut être rapproché de mots connus qui vont avoir le même sens. Donc ça, on est à peu près proche de l'exemple de Jabberwocky que je vous donnais. Et ça permet aussi de trouver, par exemple, des erreurs d'orthographe fréquentes sur certains mots récurrentes. Parce que finalement, les gens font des erreurs sur ces mots-là, mais ils continuent à être utilisés dans les bons contextes. Et donc, à ce moment-là, on peut se rendre compte que, et donc j'ai eu quelques exemples comme ça, où on voyait surgir plusieurs mots dont certains étaient proches en édition, parce qu'en fait, l'un était juste une typo de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé aussi à rajouter dans les bonus-malus un espèce de bonus quand la distance d'édition entre deux mots était assez proche. Donc, quand des mots commençaient à être rapprochés, et qu'en plus, ils étaient proches en distance d'édition, disons que je favorisais le processus. Oui, pour la deuxième question, donc il y a la constitution d'un graphe avec renforcement des liens. Ouais. Donc, vous considérez que ça fait partie des techniques d'apprentissage? On a évoqué des réseaux de neurones. Bon, c'est pas oui, 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 c'est un apprentissage non supervisé, comme d'autres algorithmes de clustering ou de construction de réseaux. On a peut-être moins l'habitude de ce type d'algorithme, mais c'est tout un pan assez développé autour de donc l'analyse distributionnelle. Et donc, troisième question, comment vous injectez la connaissance sur le monde en l'occurrence dans ces rapprochements, dans ces corrélations entre contexte et mots, puisqu'on a vu à un moment qu'il y avait quand même une définition pour la tarte aux pommes, fruit de quelque chose. Non, c'est moi qui ai mis une espèce de définition, mais en fait, c'est moi qui ai mis d'un côté, je vous ai mis sous une forme, on va dire, traditionnelle de raisonnement logique. Hein. Donc, on a tartelette close to tart, quench au kind of fruit et au fruit fréquent context for tart. Et donc, on fait une induction. Mais en fait, ici, c'est juste de la manipulation de chiffres. On a une certaine valeur de similarité entre tartelette et tart qui est assez haute. On a une certaine valeur de similarité entre quench et fruit.
Et on a le fait que au fruit est mentionné comme contexte assez important pour, donc il y a aussi une certaine valeur pondérée pour tarte. Et donc, parce qu'on a un certain nombre de seuils qui sont dépassés, on a ce qui est de l'autre côté. Donc, c'est un raisonnement logique, probabiliste, on va dire, là, ici. D'accord. D'accord. Le seul truc ici, c'est que, grosso modo, c'est moi qui ai un peu fixé ces seuils à la main. Une meilleure approche d'apprentissage serait de dire, on essaye de détecter les valeurs de ces seuils de manière automatique sur un corpus d'apprentissage. Ça, je n'ai pas fait. Ouais.